Dis, dis-le, c'est. De toute façon, tu mets encore les phares là, je suis sûr que c'est pour 2 heures du matin. Hein. J'ai rendez-vous avec un des pros que j'ai rencontré l'autre soir. Ah bon? Il m'a dit que si j'ai besoin de quelque chose, que je n'hésite pas. Donc, je vais lui demander de m'ouvrir un prêt-à-porter. Et comme il est en bain, il pourra souvent m'aider à avoir de fin de série. Hein. Ça tombe bien. Tu peux par exemple lui demander de t'aider à trouver une bourse d'études pour ton grand frère, quoi. C'est un footballeur. Il fait quoi avec les bourses d'études? Bon, mais il peut connaître quelqu'un ou des tuyaux. Pour cela, quoi, il peut avoir... C'est autre chose. Bon, tu peux par exemple lui demander de t'acheter une voiture. Comme ça, je vais souvent me balader avec. Et puis, tu vois, tu sais, quand tu vas proposer tes services avec une voiture, là, tu es respecté, quoi. Tu vidanges comment? Tu achètes le carburant avec quoi? Maman, je croyais que quand on a déjà une petite sœur qui a réussi là, elle est censée tirer tout le reste de la famille. À cette allure-là. Ok. Si j'ai un magasin, tu pourras venir y travailler, non? D'ailleurs, tu pourras même être le gérant pendant que je m'occupe d'autre chose. Parce que bientôt, je serai une femme d'affaires. Donc, pendant que madame passera ses journées à se balader, moi, je serai confinée entre quatre murs. Et de surcroît, gérant d'un magasin. Moi, un titulaire d'un Master 2. Je vois vraiment l'estime que tu as pour ton grand frère. Ce n'est pas avec le même Master 2 que tu étais prêt à vendre au bord de la route quand Awara t'a pris. Tu devrais même me dire merci de te placer dans un cadre sûr. Oh, les pauvres sont compliqués. C'est pas, tu es déjà riche. Mais... Eh ben, je n'ai pas de temps pour discuter des bizarreries avec toi. Hein? On m'attend en haut lieu. On me retrouve ici en bas lieu. Petite sœur, c'est comment ton pote t'a plaqué? Les hommes prennent même les femmes pour quoi, non? Un imbécile comme ça là. C'est ton sponsor que tu appelles imbécile. Le sponsor de qui? Ton sponsor. Ah là, c'est sûr. Vas-y, raconte. Qu'est-ce qui se passe? Tu imagines que le gars arrive au rendez-vous avec 30 minutes de retard. Il n'est même pas fichu de s'excuser. Le comble, c'est qu'il dit que pour résoudre mon problème, il faut d'abord que je résolve le sien. Et c'est quoi son problème? Que j'expérimente la partouze avec lui. J'ai failli casser la bouteille sur sa tête. Mais petite sœur, tu crois qu'un gars allait te donner son argent pour rien? Je t'ai dit qu'un mec ne peut pas être pro en Europe. Et venir ici chercher une femme en boîte de nuit. Jamais, ils veulent simplement s'amuser avec vous. Hein. S'amuser avec qui? Mais vous? Un gars qui n'a même pas le BPCV s'amuser avec une licenciée. Et toi là, tu te rappelles que tu n'as pas encore eu la licence là? Hein? J'ai quand même fait le niveau 3, c'est comme si j'avais la licence. Bini! Tu m'as dit que ton gars là, il jouait même dans quelle équipe là-bas, dans quel pays? En Lettonie. Yeah? Il jouait où? En Lettonie, non. On fait quoi? Tu dis que je vais où? En Lettonie, non. Petite sœur, quand on vous demande d'écouter l'actualité, les informations, hein, vous passez le temps à regarder les télé-nouvelles. Un gars qui joue en Lettonie a quoi comme argent? Ish! Mon gars joue en Lettonie!